Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Oui, il y a 4 sondages qui fait, oui. Il y a un qui c'est 89%, il y a un qui c'est 92%, l'autre là est 93%. Tous les 3 sondages ont montré presque à 90% le peuple a d'accord à l'élimination Sénat. Mais raison qui fait le peuple a d'accord à l'élimination Sénat. Dès qu'on sait même qui a créé encore, qui fait que le peuple a demandé l'élimination Sénat. Le peuple a gardé, on sait qu'il a fait 8 à 10 millions de gouttes par mois. Il n'y a pas réglé rien pour le peuple, il n'y a pas voté loi. Il n'y a pas qu'à ratifier ou bien rejeter un gouvernement. Tout ça, la constitution mettait pour y faire voir comme faire. Les peuples ont gardé, il y a un sénateur dans le tiré, un sénateur dans le gang, un sénateur dans toutes les bagailles qu'on a imaginées. Le peuple a dit éliminer le Sénat. Et puis, les douanes et Goulia, qui finit créer conditions pour éliminer le Sénat, n'ont pas fait menace violence. De ton léger, qui finit faire ça le faire avec prisonnier pénitentiaire national, oui. De ton léger, qui finit courir quitter Jacques Mel, dans les conditions qu'il connaît, qu'on comprend ni qu'il finit faire société à menace, je dis, pour André Michel Boubannexaïo. Et moi, je comprends pour qui ça n'est pas peur, ou même capitaine de la Marotou, l'élection présidentielle 2015-2016. Là. André Michel va faire 3 votes par section communale comme candidat à la présidence. Dans l'élection 2016-2017, côté là, aller comme candidat et au Sénat pour le département de l'Ouest, pour RDNP. Même top à l'air, man Kaline sur 1240 votes. Mais il n'y a pas qu'à faire confiance, parce qu'on connaît pas voter. J'en parle à son deal, nous-mêmes comme parti politique responsable qui ont ligne idéologique, ça fait pendant 2 ans. Nous tendons nos compatriotes dans l'opposition à travers différents accords des propositions. Ils ont dit qu'ils ont manifesté pour voir le président Jovenel Moïse aller. Et pour dans le cadre, il y a deux bagailles qui retenent dans la promesse et l'opposition. Voir le président Jovenel Moïse aller pour organiser ça que les conférences nationales souveraines et pour doter le pays à faire référendum pour mettre le pays à une nouvelle constitution. Ça, c'est la revendication de l'opposition. Je rappelle le président Jovenel Moïse, tout est fait lancé à parler de cause de référendum. Notre ancien sénateur Nenel Kassi a eu le courage pour dire président Jovenel Moïse, font piquer devant, il prend devant parce que le président Jovenel Moïse volait projet référendum. Donc, nous dit, si l'opposition, qui eux-mêmes, qui ont courage, c'est eux qui ont commencé avec causer au référendum. C'est eux qui ont avec la conférence nationale souveraine. Mais c'est eux-mêmes chaque jour tout qui a fait manifestation contre l'ingérence internationale devant l'ambassade et contre blanc. Ils ont fait ingérence. Ils ont dit, tu n'as pas fait ingérence, qu'on y a eux-mêmes, ils ont battu bravo pour John Biden faire ingérence. Content journée aujourd'hui, l'opposition en soi, ils ont fait appel avec OER pour venir faire médiation, tout comme pouvoir tout fait appel avec OER pour venir faire médiation. Nous-mêmes comme parti politique avant-gardiste responsable et responsable, rôle nous c'est permettre que gagne un Haïti qui est stable. Que ce soit l'opposition au pouvoir, ils reconnaissent la constitution 87 là, ne pas permettre que pays à l'ingouvernable. Commencer, je pense que c'est une belle initiative que les jeunes ne peuvent pas prendre place dans la catégorie. Ça. Il est tout à fait normal et raisonnable qu'à 22 ans, là au moins nous-mêmes qui jeunes, qui pensent, parce que souvent on dit jeunesse assez à venir pays, donc nous avons une chance nous, pour nous. Participer et rentrer dans la constitution. Ça. Et moi, pour ma vote, je suis d'accord, c'est une belle initiative. Dans le niveau jeunesse, je sens qu'il y a un peu de gens qui ont une capacité, ça, qui a géré. Et puis, tout, trop ancien, je sens que c'est eux qui causent nous la douleur. Madame Duna, sur la jeunesse, je vote pour ça. Pour commencer, je me dis que si on qui vraiment important, mais par contre, je me dis qui ça y a fait pour la jeunesse. Parce que nous avons une jeunesse qui est nettement déboîtée. Pas aucune structure pour la jeunesse.
Inès la gaye, est-ce qui c'est une belle idée quand même? À 22 ans, il y a une jeunesse, un jeune garçon, une jeune femme quelconque, qui a un député, mais qui ça a fait pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui apprennent à encadrer, mettre dans l'université, apprendre parce que quand nous avons une jeunesse qui est 100% vide, qui n'a pas rien dans la tête, c'est les réseaux sociaux seulement qui sont préoccupés. Bon, capable de dire que je vote, mais pas aucun problème. Sauf que qui prend soin des jeunes là, qui est dans l'université, il y a un problème parce que mais toujours paraît. Et à 100% élèves qui dans l'université ont toujours crié qu'il n'y a pas un professeur, il n'y a pas de monde qui peut prendre soin en tant qu'élève. Bon, c'est son bel bagage. T'as pas jeunesse sur place, t'as fait jeunesse en mesure de confiance. Tout. Et puis, la fois qu'on est ministre PTCA, Nader Josius visité plusieurs chantiers dans le département de notre pays à week-end passé. Objectif visite là, c'était à regarder et à avancer dans divers chantiers. Et puis, qui ça qui t'a de fait dans quelques autres zones qui ont un problème? Richardson Jordan à Kavupia pour plus de détails. Visite ça a démarré dans Kankok, côté ministre PTC, Nader Josius, t'as regardé l'état route là, qui trouvait dans un mauvais état. Kankok, là, tu as vu que la situation est déplorable. Et pour rappel, Henry Plaisance, c'est 23 km, c'est Estria qui gagne contre ça. Et Plaisance Kankok, c'est encore Estria, parce que Estria a déjà gagné, déjà gagné, déjà tout préféré. Mais on peut faire jusqu'à présent dans la ville. Mais il y a Kankok Lébé, et Patrice a n'importe comment nous nous dit ce pénalité. Donc il y a avec Estria. Et pour le cartel, tout puisqu'il est déjà mobilisé, ça va le côté non masqué. La traité est parlé avec BID pour nous comment ça va être fait. Nous, dans la commune Lembe, pour qu'on ait un terrassement qui a fait dans une partie dans la route, ça et puis préparation pour mettre asphalte. Délégation a été ramenée dans la ville au Cap Haïtien, précisément dans la mer, travail pour faire qu'à niveau, pas camper. Déjà, on a fait pour finir totalement avec, pour nous faire traiter couilles de fondation, pour mettre couilles de base sur lui, pour finir son route, en route presque de 16 mètres. 16 mètres, et puis Bob Merlin, comme deuxième de gagner en réunion avec Banque mondiale, qui a financé lui, pour nous faire jouer un bord de mer qui a envie de vivre, c'est-à-dire Bob Merlin, qui a fait ça, l'une des premières femmes de vivre qui a fait ça dans les années 80, et bien l'OTL, c'est un gros bagage. Nous devons nous prendre, envahir lui, car il est construit à donner, l'église et autres. Donc ce gars est libéré et il va le financer par la Banque mondiale. On peut être d'ici un an et demi, nous y avons au Cap Jeté maintenant. Dans la route Baye-Batan, Saint-Raphaël, le ministre PTC a été venu garder l'évolution du travail. Étant donné la route nationale numéro 1, il y a un problème. Si ça a été fait, il a facilité la circulation machine pour atteindre sortir et pour le prince pour venir dans le nord. Donc, il y a un bagage bien signalé. C'est que nous avons une route ça, qui est très très rapide. Si nous sommes passé par Saint-Raphaël, passé par Dondon, entre Barrière-Bâton, qui a fait de 26 km. Quoi. Et qui 26 km et qui a fait très très vite. Mais on connaît UNESCO de Pacas, Mapaclan, et pas accepté que la route là fait totalement pour l'Union européenne financer la route là pour passer par Pacla. Donc nous sommes obligés de passer par Grande Rivière du Nord. Saint-Raphaël, Grande Rivière du Nord, qui vient trouver dans le Cafoumena, qui vient prendre le barrière battant pour l'entrée. Donc nous-mêmes, nous avons besoin de les gens, nous faire une technique nous faire pour nous faire un régime pour nous faire le Cafoumena pour l'entrée dans le parce que ça passe sur Saint-Raphaël. Pour vous, barrière battant, Cafoumena. Et nous avons commencé déjà, donc c'est un route que nous avons assalté 2,5 km sur le déjà. Donc nous avons à peu près 3,5 km. Donc son route 6,2 km que lié. Donc nous avons fait un bon campé parce que nous avons un problème pour asphalte sur le. Donc dans le contrat que FINCOM a gagné là, il a gagné 3,5 km. Dans 3,5 km là qui était là. Et on n'a pas pensé sur lui parce que dans la terre de guerre là, c'est là-dedans que nous avons mis le fait pour nous capables de vivre dans le phénomène. Donc c'est ça que nous recommençons à travailler là, donc pour nous capables de mettre des couches de base sur lui, pour nous arriver à faire pour nous capables de terminer avec les tronçons, le travail à battre en Cafoumena.
responsable fait connait gain mobilisation qui continue pour mettre un bout avant longtemps dans série travail ça yo cap réaliser dans département nord pays. Et puis n'a fois connait tout ministre travaux publics transport communication Nader Vesius fait une visite inspection dans diverses rues dans commune entre Dinor département Nord-Est week-end passé à ministre PTC qui était gain client membre commission communale là. Te profiter par les sous ça qui fait déjà et ça qui était pour faire dans commune dans le cadre travail qu'a réalisé yo Richardson Jourdan à Kevin Pierre pour plus de détails. Pendant la visite lui dans commune Tourdino, ministre Nader Joasis si on y plusieurs dans ville là garder diverses zones qui sont asphaltées avec l'autre cap gain pour mettre asphalte c'est objectif visite ça Tourdino 70% réhabilité mais pas va de Jepin, mon Trudino, avec le président Allé, toutes les 8 notre Trudino ont réhabilité. Moi, je dis à son, on ville totalement revertie, en AOB, donc nous sommes contents. On dit le merci et félicitations. Et combat notre mené, nous commençons à voir les résultats. Une même commission communale Trudino, à qui on habite en zone là, salle de travail, administration Moïse, réalisée dans la commune. C'est avec un sentiment de fierté. Et par rapport à toute promesse, le président de la République là, te fait mon Trudino. Trudino qui c'est commune la Kaili, commune côté de l'ambiguïté terre. Parce que je me songe en 2017, l'Elte vient dans fait patronal Trudino. Il te promet mon Trudino, tout lui dans Trudino, même à ta corridor dans Trudino asphalté. Donc même si c'est longtemps, nous pensons que dans le moment où on a parlé, le travail lui-même lui à 70% réalisé. Puis Trudino existait, pas jamais un miracle comme ça qui fait là-dedans. Et avec le président Jovenel, le bagage a changé. Il y a plusieurs générations qui passaient, en dedans Trudino, pas jamais bien, nouveau AOB qui mettait là. Nous pensons que si pas une turbulence en dedans le pays, Trudino était déjà OK. Je pense que c'est inauguré, ministre Tabine, inauguré tout dit non. Je dis là, je demande tout le monde tout dit non, on nous tous collés pour ensemble, on nous pote bourré derrière le président Jovenel, pour nous, à 90% avant 23 juin, pour nous satisfaire tout le monde tout dit non. Technicien, il va continuer à asphalter diverses rues dans la commune tout dit non. Responsable TPTC dit, il va compter sur la collaboration de la population pour permettre le travail arrivé dans le bout. Premier ministre pour un petit bout de temps, Claude Joseph, qui était gagné avec le ministre qui a communication Pradel Mikkels, avec le secrétaire d'État à communication Franz Exantus, rencontré lundi 31 mai 2021, patron média en ligne. Objectif rencontre ça, c'est associer médias en ligne avec la traditionnelle lieu dans le cadre mais qui prend pour faire face à l'augmentation cas positifs COVID-19 pendant la campagne de sensibilisation qu'a faite dans le pays d'Haïti. Et pour faire face à l'augmentation de COVID-19 là dans le pays, le ministère de l'Éducation nationale avec la formation professionnelle MUNFP a informé la communauté éducative, la directeur de l'école en particulier, a décidé d'interdire toute cérémonie de graduation faite fin d'année avec l'activité générale créative dans l'école dans le pays d'Haïti. Le ministère a adopté ces mesures dans l'objectif pour diminuer la vitesse de la propagation COVID-19 dans le pays. Mais ça a visé protéger la population scolaire avec l'emploi éducatif pendant une période difficile pandémie. MUNFP demande aux directeurs départementaux, aux inspecteurs et aux directeurs de l'école pour prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application de décision SILA. Et la fois qu'on est un comité consultatif indépendant réalisé, 7e série débat sur nouvelle version avant projet constitution, échange qui fait lundi 31 mai à Tichita sous décentralisation. Pendant la rencontre, intervenant avec les participants, ils ont regardé à travers nouvelle version. Qui ça, qui dit sous thème ça, qui gens ont abordé, et puis, des recommandations. Professeur Emmanuel Ilroy, dans l'intervention, expliquer ensemble proposition nouveaux documents, ça fait sous question décentralisation. Ils ont extrait dans le micro Marie-Dieudonne Heurtelot. Sous structure organique collectivité territoriale, yo. Avant projet A, statué sous ça. Personnalité juridique et administrative collectivité territoriale. Yo. Division spatiale triangulaire. Là. Département, commune, section communale. Niveau d'autorité compétente. Yo. Dans le département, nous avons un délégué, vice-délégué, nous avons un maire, nous avons
Mais assez sur à côté, ça nous propose, nous avons Azek Kazek, sans pas oublier mon député, dans chaque commune, alors on n'a pas besoin d'un détail à faire sénateur que nous n'avons pas statué sur lui. Dans l'article, c'est une société à tout. Nous faisons allusion à un plan, un schéma d'aménagement global. Là. Parce que collectivité territoriale, eux-mêmes, vrai besoin, yo, c'est une satisfaction à la base. Il y a fonctionné en tant que monde, eh bien, nous devons bailler garantie sur une série de besoins essentiels. Ensuite, avant projet, nous avons parlé de exigence, composition et attribution chaque niveau. Yo. Là, c'est très important. Puisque nous proposons pour une assemblée départementale qui n'a pas de jambes créée depuis 87 là, eh bien, assemblée des maires, etc. Alors, nous statuons sous ça en pile et nous faisons des exigences. Pourquoi ça nous fait des exigences? Nous connaissons que il y a des responsabilités qui m'ont des expertises, qui m'ont des connaissances. Donc ceci dit, à travers tout acte que nous sommes cités là, mais proposition nous yo visait une sorte de institutionnalisation désormais des collectivités territoriales dans le contexte de décentralisation. Collectivités territoriales, ils ont besoin des responsables, mais qui en même temps capables de jouer l'agent du développement. Alors, dans cette perspective de bonne gouvernance locale, compétences constitutionnelles que nous-mêmes nous essayons de limiter, proposer là, nous croyons déterminantes et prometteuses. Je vais citer quatre éléments là. En conseil départemental, eh bien, son bagage important parce qu'il y a à la fois une instance qui politique, administrative, technique et autre. Lors pour l'Assemblée des maires, ils sont organes consultatifs qui supposent le travail de pair avec un conseil départemental. Lors pour un maire, nous proposons que le gain de assesseurs parce que nous connaissons scandale, cartel, fête matin, crasé après-midi. Donc ceci dit, pour une bonne gestion communale maintenant, on maire principal avec deux assesseurs, je crois bien plus collaboration, plus harmonie. Nous parlons d'un coordonnateur de la section communale. On l'autre poste assez important technique parce que Azek Azek nous habituellement marginalisé. Alors qu'il y a une grosse responsabilité dans le main. En un mot, ça c'est y a proposé dans le niveau de décentralisation, collectivité territoriale. Pour moi-même, son innovation. Innovation dans quel sens? Parce que 30 ans de perdu, ou bien 30 ans de tourner en rond, je crois qu'il est temps pour nous t'a dit que nous viser maintenant au développement à la base. Alors, développement à la base, là, au développement qui a commencé en bas, nos perspectives pour nous consolidons l'état de droit que nous amorcer. Pour nous viser l'état providence, côté que l'état politique publique est capable au service de communautés de base, c'est capable de faciliter une stabilité politique, tout depuis en bas jusqu'en l'air. Et pour terminer, par contre, si m'a privé, mais je t'ai remis ça pour payer maintenant, un progrès social qui doit commencer. Et si vous, Marcel, spécialiste dans la gouvernance territoriale, faisons ensemble recommandations qui, d'après lui, apprend une décentralisation à tourner réalité. Les spécialistes là, arrêtez quoi l'État doit venir plus près citoyens à travers section communale, commune et département. On suit bien extrait. Normalement, il faut, comme nous avons dit tout à l'heure, renforcer à travers des lois cadres. Par exemple, nous avons une loi définitivement sur, nous avons dit, l'intercommunalité qui pour dire comment ou communio organisé entre eux, dans le cadre de principe de participation. Il faudrait bien que nous avons une loi sur la fonction publique territoriale, faut nous renforcer mais sur le plan institutionnel, sur le plan technique, sur le plan managérial, pour y avoir un résultat véritablement. Et c'est pas la fonction publique territoriale que nous avons arrivé à faire. Les Sakounian, nous avons des cadres formés qui vont desservir la communauté, parce que là, nous besoin de parler de développement, il faut que nous ayons des ressources humaines, il faut que nous ayons des ressources financières, des ressources matérielles. Et les ressources humaines, le capital, le fondamental, sans une bonne
si nous parlons de ressources humaines qualifiées, nous ne pouvons pas parler de bonne gouvernance, Jean-Professeur Eloi Tédine, qui parlait de décentralisation et de concentration. L'important, justement, pour nous dégager une synergie entre les différents acteurs œuvrant dans le domaine de la gouvernance territoriale. Il faut renforcer les directions départementales, il faut renforcer les coordinations départementales, les délégations, les vice-délégations, il faut renforcer le mariage entre les différentes institutions œuvrant dans le domaine. C'est tout ensemble de mariages qui peut avoir une décentralisation effective, une déconcentration effective. Donc, projet ça, de réforme constitutionnelle, je pense que c'est le moment pour nous tout poser les jalons, pour nous tout mettre les balises, pour nous faire en sorte que nous jeunes ont des considérations. Ce texte, ça, il suppose un rapport de causalité entre le développement du pays et le texte. Côté que nous voyons des situations, ont des considérations effectives, qui peuvent rapprocher véritablement l'administration des citoyens. Par rapport à la position ça, qui a une valeur ajoutée par rapport au fait que lui parler des voies et moyens qui peuvent transférer aux collectivités territoriales et qui peuvent permettre que véritablement nous aboutissons à ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. C'est-à-dire que les politiques publiques ne sont pas tenues compte seulement de ce qu'on appelle ironiquement la République de Port-au-Prince, mais la tenue compte également des autres départements, des autres et de tous les départements, donc qui peuvent permettre que nous jouons un développement équilibré du pays. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable jouer nous. Son babes à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.